Êtes-vous prêt pour le quatrième Leverne? L'eau a disparu. Voilà, vous trouvez un moyen d'y aller. Peut-être là-dedans. Nous devons réfléchir un peu plus. En fait, j'ai trouvé. C'était trop facile. Pour ça, je pense que je vais vous expliquer à la fin de la vidéo, dès que j'aurai fini, bien sûr. Niveau 4, abîme du poisson. Pas besoin de palme en plus. Je crois que le bouclier est indispensable, enfin je veux dire, il est recommandé quoi. Oh, il y avait un coffre. Oula! Tu as la boussole. Maintenant, tu peux voir où sont cachés les coffres et le boss. C'est une clé dans une salle. Un son te préviendra. C'est ça le progrès. Il y en a beaucoup. Un fragment de puissance. Voilà. Ouais. Je ne sais pas trop, je vais voir un peu plus de l'autre côté avant toute chose. Ok. Une minute. Juste une toute petite minute. Oh, c'est pas vrai, ça aura mieux. Un bec de pierre, ouais. Oh, c'est bon, j'en ai marre d'entendre ce son. D'ailleurs, la musique est assez répétitive. Ah, j'ai pas trop... J'ai pas de petite clé, merde. Une carte. Ah, entendu un petit son. Normal parce qu'il y a une... Normal parce qu'il y a un coffre. Oula. Plouf. Et hop, une petite clé dans la poche. Là, je peux pas traverser.
l'instant. C'est bon, je sais. Ah, ça fait du bien d'entendre un peu la musique, non? Et une autre petite clé. Voyons voir la carte. Il y a un coffre abandonné, un autre coffre aussi. Eh ben... Eh oui. Je sais pas pourquoi je m'embête à casser ça. Quoi? Vous avez remarqué aussi que les musiques de Zelda Awakening, eh ben en fait, ça ressemblait beaucoup à certains donjons, mais c'est juste que c'est juste la mélodie qui, enfin le sort du son là, mais le même rythme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je me suis fait toucher. Oula. Et plouf. No! Trésor va. Je peux encore toujours foncer, soit il me faudrait des palmes. Perso, j'ai oublié. Non, je peux pas y arriver à courir comme ça. Peut-être si je trouvais des palmes, ça m'arrangerait. Putain, je me suis trompé de bouton. Un gland. Ah. Ah oui, c'est vrai, j'ai pris des petites clés. Que dirait cette chouette? La lueur des tuiles sera ton guide. Ah ouais, d'accord, il y a des poissons, ça marcherait pas. C'est un peu chelou ce truc. C'était des cyclopes. Mais bon. Le clic. Oh. Il a fallu qu'il se la foutre. Je vais me la foutre dans le cul. Regardez bien. Je plonge et je me noie. Sûr que l'objet spécial de ce donjon,
c'est des palmes. En passant, on a déjà remarqué. Allez, attendez une seconde, il y aura un indice dans les dialogues. La lueur des tuiles sera ton guide. Attendez une minute que je réfléchisse bien. D'abord, ça se barre. Ok. Merde, il commence à bouger. Joker! C'était vraiment pas cool. Vraiment, mais vraiment pas cool. La salle du boss, maintenant, on la connaît. Oula, là, il va y avoir des trucs qui vont foncer en pleine tronche. Ok. Je vais tenter quand même. Ok, là c'est ridicule. Ah bah de toute façon, si j'atterris... Si j'atterrissais par là... et quand j'en ai besoin... Oh, il faut encore des palmes. Mais tant que je réfléchisse, j'ai une petite clé. Donc il serait temps peut-être... donner une bonne correction, enfin je veux dire, je pense qu'il y aura peut-être un sous-boss. Ah oui, quand même, sinon on peut pas récupérer la petite clé et après on serait bien bloqué dans le jeu, hein. Bon allez, barre-toi, espèce de ventilateur. Je sens qu'il y a avoir de la baston. What? En plus, j'ai un meilleur plan. Pour battre derrière, je fais d'une autre façon. Et pourtant, cette façon-là est meilleure. Ouais. Pas de coffre. Ah, il y en a au prochain. Le trésor sacré. Tu as les palmes. Appuie sur B quand tu nages. Tu pourras alors plonger. C'est cool, hein. Ok, le mot de passe, il va falloir le retenir. Alors, je refais une deuxième fois pour me rassurer. Dès que je serai de l'autre côté, je fais ça, et ça, ça et ça. Ok. Il faudra retenir.
plus que quelques secondes avant la fin de la vidéo. Combien on va repasser la même fois? J'aurais dû me douter.